Bonjour, chers internautes de Vsuite News Mauritius. Aujourd'hui, pour l'interview de la semaine, nous allons recevoir Sanjana Gobin, qui, je crois, tout le monde connaît, il n'a pas besoin d'introduction, il fait beaucoup de vidéos sur TikTok par rapport à la santé mentale. Sanjana Gobin, bonjour, bienvenue dans l'interview de la semaine. Ou un psychologue très connu, surtout sur TikTok. Raconte-nous premièrement, qui te pousse pour faire une vidéo de TikTok? Déjà, je commence par dire, je ne sais pas qui fait, que tu me penses TikTok. It's just entertainment. C'est juste comme ça, on nous a fait une affaire trending, nous a fait une vidéo, nous a dansé d'ailleurs, et tu sais, comme il dit, mon kin, dis-moi, c'est un channel qui fait un arrêt de danser, qui fait de pas santé. Non, pour commencer. Mais on a serious note, pour moi, c'était vraiment, c'est une plateforme qui est vraiment populaire pour éduquer du monde dans certaines affaires. Si, en tant que psychologue, on réalisait qu'il y a tellement beaucoup d'affaires qu'ils ne pas connaît. Et c'est pas vraiment des affaires qui nous pourraient avoir rodées, parce que c'est des affaires dans nos daily life, mais on a fait une perspective psychologique, on a fait une perspective qui est vraiment comment on a intégré ces affaires dans notre vie pour changes. Et surtout, monsieur aussi qui a fait une vidéo, les gouttes, les une façon qui vraiment, et tu veux juste get some, it stays with you. Donc pour moi, l'idée de TikTok, c'était ça. Giving you something, make un concept qui est assez complexe d'une certaine façon, parce que tu pensais, la santé mentale, quand même, il y a des affaires qui sont very complex, qui, si nous pouvons lire, si nous pouvons rôder, il y a tellement beaucoup d'affaires. Mais we just make it accessible, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement une belle connaissance, mais l'écoute ça, ils disent, ok, this makes sense too. Donc c'était ça l'idée. Alors là, nous remarquons que la plupart des vidéos sur TikTok sont par rapport à la santé mentale, surtout sur la femme, et je trouve beaucoup, vous mettez beaucoup l'emphase sur les enfants. Tu peux expliquer-nous ce qui fait parmi tant de problèmes, nous avons tant de problèmes dans la société, pourquoi la santé mentale sur la femme et surtout les enfants? Déjà, vous pensez, comment tu commences? L'idée c'était share my experiences, parce que même quand je n'ai pas tout, hein, mon introduction même c'est psychologist and a mom, parce qu'effectivement, j'ai un petit garçon. Et pour moi, quand moi je go through certain things, je me rends compte que malgré moi, un psychologue, malgré moi, je connais qui était ça postpartum depression, je connais qui va le changement qui est dans une gamme d'enfants, quand on commence à grandir mes enfants, tout ce qui me suis appris dans l'université, je me suis mis tout de côté, et puis il y a la réalité. Donc, je me dis, tiens, moi, mais attends, si malgré que je suis dans ce bagage-là, je vais struggle, je ne peux pas être la seule. Et c'est des topics qui vraiment m'inquiètent, parce que c'est moi, c'est juste what I'm going through. Et moi, l'idée, c'est vraiment share un mélange de mon expérience, ce qui m'en apprend, ce qui me trouvait, parce que quand même, je travaille beaucoup avec mes enfants, avec mes parents, avec mes femmes. Et donc, je pensais, c'est ça, mon expérience, ça qui m'a envie de share. Parce que quand on réalise aujourd'hui, the amount of issues qui nous est là par rapport à, par exemple, nous prenons l'école, nous prenons ma famille, nous prenons... C'est ça la base, en fait. Donc, si nous avons target ça, une chose, hein, si nous avons pour les enfants, si nous avons aide bande du côté parenting, comment gérer certaines affaires, comment comprendre les enfants mieux, je pense que ça il va faire vraiment un long-term change. Pour moi, monsieur, si vous êtes maman, vous comprenez, quand nous avons des enfants, les enfants, comment ils étaient, quand nous étions petits, avec quand nous avons l'enfant, c'est un monde différent, hein, et dans ce bande, issues de screen time. Et dans mon exposure que les enfants gagnent. Et dans ce bon et ce mauvais, si vous conservez screen time par exemple, et qu'à une certaine limite, il n'y a pas une catastrophe parce qu'ils n'ont pas pu apprendre tellement de choses. Mais s'il y a un excès, il y a un problème. Mais si elles ont fait la réalité dans toute la case, le ciel dans la route est la case que les enfants n'ont pas accès à portable, à tablette, pas exister de nouveau. It has to be there. Donc pour moi, c'est bon, ça fait que je me trouve camarade struggle with. Je me dis, maintenant, on va avoir un message, on ne sait pas comment on peut gérer. Donc, je choose des affaires qui m'ont à cœur parce que c'est juste des choses qui sont relatable. Et je pense que c'est un domaine que je peux vraiment utiliser ce genre de help. Et c'est un qui point going aussi. Quand on commence à penser à ce topic-là, en fait, c'est intéressant parce que première fois que je me pose, parce qu'initialement, c'était plus parenting. Après, tu as Maternal Mental Health Month. D'ailleurs, je me fais un cours justement par rapport à postpartum depression et tout. Donc, comme on finit, ça coïncide avec Maternal Mental Health Month. Donc, on dit que ça. Je vais juste put out une vidéo. Maybe people will relate. Incroyablement, quantité de gens qui me viennent vers moi, écoutez-moi, et un long testimonial d'ailleurs, je garde tout le monde. Parce que c'est tellement heartwarming, je trouve que les gens peuvent pull their heart out, et dire non, mais comme une gamme des enfants, je vais go through that. Et moi, tu fais gagner honte pour cher, because it just feels qu'il n'est pas normal, qu'il me fait gagner des enfants, but I don't feel happy. I don't feel good. Je n'ai pas envie de gagner des enfants, je n'ai pas envie de faire du calme, parce que
ne pas faire reconnaître moi-même, ne pas faire connaître qui arrive. Moi. Donc, quand on a tout ça à faire avec nous, même pas faire cause dans là, it's a problem. We need to talk about it. Fin cause, justement, le parenting, parentalité. Qui est un challenge que vous pensez un parent est capable de faire face pour les grandir ses enfants? Déjà, vous pensez premières affaires extrêmement importantes pour vous. Je compare avec, par exemple, la previous generation, donc nous, un parent, il y a un grand changement par rapport à l'accès à l'information. Longtemps, nos parents, nous avons grandi nous par Insta, somehow. Je connais mes enfants, ils ont ça d'ailleurs, ils ont fait très intéressant. Bon, spécialement, un petit garçon récemment, tous les enfants sont malades, ils sont symptômes malades. Et maman, un petit peu hyper-vigilant, me check sa température chaque fois. Et quand vous checkez, c'est pas à tarder là, hein? Moi, aller avec mon thermomètre des petits là. Jusqu'à ce que me mène, ça me retourne. Quand on veut le petit, je vais participer à un check température comme ça. Je me suis fait tousser et après, je me suis fait laisser tranquille. And that is hard. Dis-moi, mais en fait, c'est vrai. Quand on a trop beaucoup à faire, somehow, on ne peut pas dire ça à un instinct qui nous est supposé, en tant que parent, we're supposed to know. Donc, dis ce qui est arrivé, il y a beaucoup de parents qui se servent dans le thème. Bien qu'ils puissent trouver une affaire de recherche sur Internet, de comprendre le développement de l'enfant, de comprendre what other stages qu'ils expectent des enfants. Mais le problème, et normalement, une chose qui m'a remarqué, c'est que justement, de finir mes expectations. C'est-à-dire, mes enfants, by 3 ans, ils faisaient comme faire ça. Moi, je lis une checklist. By 4 ans, ça, quand ils grandissent, ils disposaient comme ça. Et me conseillent, ils peuvent comprendre avec ça. Ok, les enfants-là, tu peux faire plus, tu peux faire moins, ce n'est pas nécessaire, it's not strict. Ce n'est pas une affaire qui est rigide, là. Donc, ça, c'est un des grands issues qui parents font face aujourd'hui, le fait qu'ils étaient dans certaines expectations basées sur what you're reading, parce qu'il y a so much information, so much content out there. Mais il y a aussi le fait qu'ils ont réalisé the amount of time, les temps qui nous énervent vraiment pour voir ce que nos enfants ont dit, n'est pas pareil. Et un des grands challenges qui parents font face aujourd'hui, c'est ça, tu quittes les temps qui nous énervent là. Est-ce qu'il va passer avec mes enfants, giving my child tout l'amour qu'il a envie, toute l'affection qu'il a envie, suivre. Donc, si je fais ça, quand je mets discipline là, quand je trouve une balance entre justement jouer, badiner et finding that discipline, tenir, j'ai déjà fait ça. Et si longtemps que nous, c'était bien que nous rentrons à casa une certaine laine, une routine, nous faisons ça. Nos parents, si on rentre à casa après 5h, most of us. Donc, maintenant, c'est ce qu'on tente à soi. À ses parents, on a fait rentrer cette terre. Pas de famille, il n'y a pas gagné des temps. Donc, à faire tes devoirs, à faire ceci, à faire cela. Donc, sa connexion qui nous supposait est là avec nos enfants. Hein. The kind of, d'ailleurs, nous supposons que nous entendons bien. Il n'y a pas encore causé que certains parents qui me demandent ça, mais il y a un changement dans ce comportement récemment. Blague. Pas trop remarqué, mais c'est pas normal. C'est aux enfants, ils peuvent résoudre la case, ils sont devant eux. Si vous ne pouvez même pas remarquer, est-ce qu'ils peuvent dormir bien, se façon causer une santé, ce body language une santé, nous avons un problème. Et malheureusement, et moi, je me disais, parce que je comprends, c'est un bizarre travail, vous n'avez pas de choix, dans le monde dit, you have to hustle. Fair enough. Mais le problème, c'est que les enfants-là, nous ne pouvons pas trouver grandis sans vraiment trouver un détail, sans vraiment porter attention à ce qu'on fait. Et pour tout problème qui part en gagné, souvent, c'est devenu, c'est moi, vous connaissez mon gosse, 15 ans, il ne pas communique du tout. La question qu'il me posait, c'est, depuis quand on remarque, il ne pas communiqué. Vous connaissez madame, c'est toujours comme ça même. Mais à celle-là, quand il y a 15 ans, qui opère un autre, if it's always been like that, probablement, les enfants-là, ce tempérament comme ça. Ou depuis tout le temps, il y a une fille qui n'est pas capable de faire confiance, donc qui n'est pas capable de communiquer. The issue has been there. Ou, si vous posez-moi une mobilité, il fait qu'arriver. Ok, qui s'en a fréquenté? Qui se met en camarade? Qui se sert? Do you think something happened? Est-ce qu'il y a 15 ans, par exemple? Est-ce qu'il y a une crush qui n'est pas intéressée au lit? C'est la réalité. Mais si en tant qu'un parent, vous ne pouvez pas faire avec nos enfants, vous mettez en communication, vous mettez en confiance, it's hard. Justement, une cause de connexion, un parent et un enfant, quelle est l'importance de sa connexion-là? C'est primordial. C'est ça la base de tout. Et sorry, mon coucou, comment nous faire sa connexion? Faire sa connexion. Ok, bon, je prends une partie avant. C'est-à-dire, qui fait rien pour autant dans sa connexion, hein, pour commencer, c'est parce que c'est ça la base de tout in terms of confiance, communication, in terms of ben, activité que nous allons faire ensemble, in terms of the guidance. Parce que si nous avons une façon technique, hein, qui veut dire un démon qui a une bonne parenting capacité, divine par rapport à basic care, bien évidemment, divine par rapport à the guidance, divine par rapport à capacité stimule, ce que nos enfants déjà ont in terms of intellect, in terms of reasoning, donc faire des affaires qui sont capables avant nos enfants d'une certaine façon. Donc, si nous pouvons prendre tout ça là, mais à la base, mais dans sa connexion là, nos enfants n'ont pas pu répondre à nous. L'idée qui fait besoin d'une connexion, c'est parce que you have
to be someone qui vous en fait confiance. Donc, when I'm giving you something in terms of communication, ici, il peut communiquer back. Si moi, vous pouvez refaire une activité, il peut respond to that. Donc, l'idée de vraiment being connected comes from there. Deuxième partie, c'est vraiment comment forme sa connexion. Il y a des affaires qui vraiment dépendent de l'âge. Idéalement, connexion est supposée former as a baby, as an infant. Nous venons un petit peu plus technique parce que Livine par rapport à l'attachement qui nous est. C'est-à-dire, il y a des gens, et surtout dans le contexte moisien, mon vie peut être out there. Il y a beaucoup de gens qui disent quand les enfants peuvent pleurer, vous allez laisser pleurer un petit peu parce qu'il ne faudrait pas donner aux enfants l'habitude, les bras. Vous ne devriez même pas attendre ça. Parce que les enfants, ce basic need, c'est quand vous pouvez pleurer, I need that mes parents viennent avec moi. Parce que pleurer, c'est quoi? C'est juste une façon qui me fait communiquer. Si à chaque fois vous pleurez, mon maman venait, donc I'm trusting qui mon caregiver, mon maman, whoever that primary caregiver is, ça coûte mon bébé zanni, qui me bouche sale, me faim, me envie de dormir, me garçon, me pas bien, that person is coming to me. Every single time mon bébé venait, mon bébé crée sa trust là, et from there, mon bébé crée sa connexion là. That's the first connection qui me crée. Et si ça me passe bien, si ça strong, everything else will be smooth, parce que at every stage, mon fait confiance qui s'attimune à tout la route. Et finalement, on n'y est pas autant que ça. Mais, les diffèrent par l'âge. Quand nous faisons des enfants un petit peu plus grands, donc un toddler, ce langage qui nous faut bien connecter avec lui, c'est vraiment jouer. Passer du temps avec lui. Et une fois, si vous me dites, moi, tu connais, te laisser ce garçon faire tout en faire. Te laisser faire des autres. Ce n'est pas des autres. C'est qu'il me laisse explorer et qu'il me participe dans sa exploration. Hein? Après, lui, il participe dans mettre l'autre. It's a give and take. À ça l'âge-là, donc 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est comme ça qu'il nous connectait. Dans ce moment-là, elle grandit un petit peu plus, donc il vient dans l'âge 8 ans, 9 ans. D'ailleurs, grand-mère, j'ai dit, mon maman, il est tout seul, il amène ce petit garçon à breakfast. Dans les bains, parce qu'il peut manger, c'est une forme de connexion. C'est ce qu'il peut faire, en fait, il peut spend that time with her child, qui est une forme de connexion. Quand il commence à grandir, c'est plus que conversation. Là, la connexion, là, vient, when you tell me something, faut pas faire juge, toi. Un adolescent peut venir dire, maman, tu n'as pas connu ça. Mon camarade, il a envie de ses cigarettes, mais si vous essayez, c'est tout de suite, vous commencez, la punition, ah là là, fini, ramasse, casse. Done. La prochaine fois, il a envie de ses affaires, il n'est pas connu de venir. Donc, that's a different type of connection. Donc, il change as your child grows up, et you as a parent, when I'm not understand, connaît qu'ils ont fait ce needs. Donc, suivre ça, automatiquement, the connection will be there. Sanjana Gobind Rambojan, nous trouvons par être une femme très courageuse. Une petite question personnelle. Comment vous faire face, est-ce qu'il y a des challenges plutôt qui vous faire face quand vous faites une vidéo sur TikTok? C'est parce que nous connaissons surtout les femmes, vous êtes beaucoup, beaucoup visées par la société. Mais dis-nous, qui va un petit challenger ou bien, si vous chou, peut bien rencontrer un petit challenger au TikTok. Raconte-nous un peu ça va un challenger. Ok. Bon, si on met où l'on public platform, you have to be ready for it. And to be honest, premier, je ne sais pas comment vous pensez, mais almost a year, je te connais, I'm not ready for it. Tu me commentes si parti d'un endroit commente, parce que justement, I knew si un jour plusieurs gens affaires qui me pas content, ça fait moi carrément envie d'arrêter la vidéo. Et I won't lie, in a number of times, commençant surtout, me finis décidé que non, I can't do this, parce que je n'ai pas envie de deal with that kind of negativity. Mais et surtout à l'époque, on voyait qui faire. Et dans certains jours, carrément, je peux feel the need, ça vivant dans la grossier, te penser, te trop connaître. En fait, ça c'est un affaire qui me croit tous les jours si on rentre sur TikTok, on a au moins un commentaire. Pourquoi tu te trop connais toi? Non. At any point, je ne peux pas dire qu'il me trop connaît. When I'm sharing something, je vais dire justement, share un affaire. Et si tu n'as pas quelque chose pour share, please go ahead. Donc pour moi, la façon qu'il me fait dire, là, by now, it's been a while. Block, delete. Honnêtement, that's an. Bon, I wish tu n'as pas dans la vie réelle aussi que tu me scrapes. Block, delete people. Parce que sinon, ça va l'énergie qui peut venir. Là, the only thing you can do is really, pas comprendre. Move on, do your thing. C'est qu'ils m'ont réalisé la plupart des gens qui font des commentaires négatifs ou des affaires sexistes, n'a pas, just mean for absolutely no reason. C'est des gens qui prennent des vidéos là. Je vais mettre une seconde, je vais trouver une madame pécosée qui ne peut pas danser, qui ne peut pas chanter, qui ne peut pas faire des affaires qui peuvent faire du plaisir pour l'été. Je trouve ça boring, donc là, je t'envie de jouer carrément. Ok, go ahead,
niveau parcours, c'est des affaires qui me besoin give any attention to. Bon, pour le moment, je move on, mais après, il y a une autre affaire récemment, je vais faire une vidéo pour, chat, pour justement target ça spécifiquement. Mais parfois, c'est une femme ou TikTok qui gagne ça, ou une public platform, social media. C'est un problème avec Manzi, on a un certain âge. C'est-à-dire, si je suis à 18 ans, it would have been fine because that's my place. Je me suis posé au TikTok à 18 ans, 34 ans. Mais bien, non, tu peux subir. Moi, une maman, moi, une femme, moi, une professionnelle. Donc, on va supposer là-bas. Et moi, j'ai un comment qui va dire, ouais, mais tchatchia, les deux. So, oui. D'ailleurs, beaucoup de gens qui partent de là, je m'en ai 34 ans. What's the problem? Il n'y a pas de me penser. It goes same for you. You would identify with that. As nous pouvons grow wiser, it's getting better dans la vie. Donc, pas bien, c'est moi qui, à cause de là, j'en sais, au point de target, moi. Not gonna work. Et surtout, je ne peux pas m'envie arrêter anytime soon. C'est le jour qui me voit arrêter, c'est comme moi, mon nom. C'est pas comme un comment, tu peux venir chez moi, you know, this is not your place. You don't get to decide. Good. Ben, voilà, nous remercions qui ont fini d'accepter nous l'invitation aujourd'hui pour merci. Être dans l'interview de la semaine. Voilà, chers internautes, nous finissons à la fin de nos émissions. Nous retrouvons cette semaine prochaine.